Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Parole est d'or où nous allons aborder le thème du couple idéal, les recettes du succès. Et oui, nous allons parler de couple aujourd'hui. Et pour ce premier épisode, je vous ai concocté une petite surprise pour vous parler des trois clés vitales pour une bonne communication dans le couple. Ne partez surtout pas, nous nous retrouvons après le générique. C'est toujours pareil avec lui. Chérie, quoi? Viens voir, s'il te plaît. De quoi? Viens voir, je te dis. Combien de fois je t'ai dit de bien couper le beurre? Bien couper, hein, le beurre? Non, regarde dans quel état il est. Mais attends, de toute façon, dans l'estomac, il est pareil. Hein. Ouais, mais là, il est pas dans l'estomac, il est dans son emballage. Donc, applique-toi à bien couper le beurre. Attends, tu vas me prendre la tête pour du beurre. Franchement, c'est que du beurre. Tu m'as fait déplacer pour ça, franchement. Vous avez vu cette scène? Les petites disputes d'apparence futile sont en général de plus grandes frustrations non gérées auparavant. Apprenez donc à communiquer afin d'éviter ce genre de situation. Chérie ? Oui ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Enfin, tu connais la suite, hein ? Chérie, pour ton anniversaire, je t'ai acheté un truc génial. C'est un multicuiseur, c'est-à-dire qu'il multicuit tout. Il fait tout. Il fait les légumes, il fait la viande, il fait les acras, il fait les boudins, enfin, il fait tout, quoi. C'est le top de la cam. Le vendeur m'a dit qu'il n'y a pas mieux. Je l'ai acheté super cher. Et tu sais, comme tu m'as dit que tu prends du temps et tout, pour la cuisine, ça te prend du temps, eh bien, j'ai voulu te faire plaisir, chérie. Est-ce que ça te plaît? Un multicuiseur pour mon anniversaire. Ouais. Il doit être top, ton multicuiseur. Merci. Ben quoi, j'ai fait quelque chose de mal? Vous voyez, nous n'exprimons pas tous notre amour de la même manière. Ce qui vous fait plaisir à vous, ne fait peut-être pas plaisir à votre partenaire. Identifiez son langage d'amour. Ah, toi aussi, tu me manques. Ouais, je t'embrasse. Un bisou. Ciao. Mais attends, t'étais avec une femme au téléphone, là? Quoi? Ouais, n'essaie pas de me mentir, je savais bien qu'il y avait une femme qui te tournait autour. J'étais avec ma sœur de métropole. Ta sœur? Bah ouais. Bien sûr. D'ailleurs, attends, va le bonjour. Attention aux mauvaises interprétations. Posez les bonnes questions avant de conclure quoi que ce soit.